Ok. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, comme ça, vous avez remporté le tournoi de négociation de la nuit de l'orientation? À ce qui paraît, oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Comment vous avez préparé ce tournoi-là? Alors, la préparation, elle s'est faite aujourd'hui, puisqu'on a reçu les cas et on a dû les préparer ensuite en fonction et construire nos argumentaires pour ensuite passer les matchs. Ça s'est fait en trois temps. Dans un premier temps, un cas, ensuite les demi-finales, un deuxième cas, et ensuite la finale, le dernier cas. Donc, voilà. Et comment est-ce que c'est une vocation de s'intéresser, enfin de s'orienter vers ce type de métier, les métiers du commerce? Une vocation, oui, parce que je suis sensible au relationnel et à la diversité qu'on peut apprendre en rencontrant différentes personnes de différents horizons. Après, je ne sais pas si je ferai du commerce ou de la négociation toute ma vie, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, pour l'instant, je m'épanouis dans ce que je fais et j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît. Visiblement, ça porte ses fruits. Remporter un prix, c'est toujours bien. Oui, c'est toujours bien sûr, mais après, voilà, il faut essayer au maximum de retranscrire ça dans la vie de tous les jours et d'essayer de l'appliquer pour dégager de la marge nette pour la société pour laquelle on travaille et puis réaliser ses objectifs. Donc voilà, aujourd'hui c'est bien d'avoir ça. Je suis content parce que voilà, c'est toujours satisfaisant pour l'orgueil, mais voilà, j'oublie pas qu'il faut que chaque jour il faut recommencer et à chaque fois pour pouvoir toujours se remettre en question et pour faire le chiffre qu'on nous demande de faire et faire en sorte que l'entreprise soit satisfaite du travail qu'on fournit. D'accord. Et quels sont vos projets pour les prochaines années, projets professionnels? Bah alors là, je suis en bachelor manager commercial en alternance et j'aimerais par la suite m'orienter vers un master 1 et master 2, voilà, toujours dans ce domaine-là, avec une spécialisation dans un autre domaine. Je ne sais pas pour l'instant encore vers quoi je vais m'orienter, mais en tout cas, continuer dans l'entreprise dans laquelle je suis, dans laquelle je m'épanouis tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.